midi à tous. Aujourd'hui, on va faire donc une recette simple, facile, très rapide, avec peu d'ingrédients. Ce sera donc une recette pour les petits et les grands. Des bâtonnets de poisson panés avec une petite marinade, mais créole. En ingrédients, il vous faudra 4 filets de colin, 100 g de farine, 100 g de chapelure, de l'huile végétale mais uniquement pour la friture, 3 œufs, le jus de 2 citrons jaunes, une cuillère à café d'estragon sec, une cuillère à café d'épices massalées, épices réunionnaises, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, ainsi que le sel plus le poivre du moulin. Donc dans un premier temps, on va couper les filets de colin en bâtonnets. On va faire à peu près 2-3 cm de large sur environ 7 cm de long. Bon, ça c'est en gros, on peut couper à la grandeur qu'on veut. Maintenant, on va préparer la marinade. Donc, on commence par ajouter le citron intégralement. Ensuite, des épices. Donc, c'est-à-dire le massalé, le gingembre, le piment. Et on terminera donc par l'estragon. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et on mélange le tout. Ensuite, on y plonge tous les bâtonnets. Donc, on va bien malaxer. Surtout, bien enrober chaque bâtonnet en autour et aux extrémités. Une fois terminé, on ferme et on met au frais pendant une trentaine de minutes environ. On peut laisser plus longtemps si on veut. Donc là, dans un premier temps, on va donc battre les œufs en omelette. Donc on va faire 3 récipients et dans lesquels on va donc enrober donc là de la farine, ensuite dans les œufs. Puis pour terminer dans la chapelure. Alors moi j'ai répété 2 fois l'opération, sauf que la deuxième fois c'était uniquement dans les œufs et dans la chapelure pour donner un petit peu plus de consistance. Sinon une fois suffit. Donc la marinade, bien entendu, on ne la garde pas. Sauf si on refait du poisson à une autre occasion. Alors dans une sauteuse, on va verser donc de l'huile suffisamment pour pouvoir entrer les bâtonnets. Comme vous voyez, donc il y en a un bon fond. Oh, c'est la valeur à peu près de une louche, bonne louche. Donc on va mettre donc les bâtonnets et on va donc les dorer 3 minutes de chaque côté environ.
cuisson, c'est quand ils sont bien dorés, qu'ils sont assez croustillants. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, on prend une assiette et on met du papier absorbant dessus, donc du sopalin, et on y dépose tous les bâtonnets de façon à absorber l'huile. On déguste donc avec une printanière de légumes et du riz avec une mayonnaise maison. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.